Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le Master Kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'une nouveauté qui va plaire plus d'un d'entre vous. Franchement c'est une nouveauté de ouf. Donc quand on va dans la boutique d'objets maintenant, on va pouvoir appuyer sur triangle pour historique des achats. Donc si vous êtes sur PC, il suffira juste d'aller en bas à droite de l'écran et cliquer sur historique d'achat juste en dessous de consternation. Alors quand vous appuyez sur triangle, vous avez l'historique des achats des 30 derniers jours. Et vous pouvez demander un remboursement de n'importe quel achat que vous avez fait dans les 30 derniers jours. Par contre, il est marqué en bas à droite, demande de remboursement, 3 remboursements restants. Est-ce que c'est à vie ou est-ce que c'est par compte ou est-ce que c'est tous les 30 jours on aura 3 remboursements restants ou toutes les années ou toutes je sais pas quoi. En tous les cas pour l'instant j'ai pas trouvé la réponse à cette question, donc je vais me permettre de faire un seul remboursement de la fusée parce que ben je l'aime bien, mais je l'ai utilisé pas mal de fois et elle fait beaucoup de bruit, donc je pense que je vais tout simplement demander un remboursement. Donc j'appuie sur triangle, se fait rembourser vaisseau interstellaire, oui. Vous pouvez faire le remboursement en achat dans les 30 jours. Il vous reste 3 remboursements. Si cet objet n'est pas dans la boutique actuellement, vous devrez attendre qu'il réapparaisse pour pouvoir l'acheter à nouveau. Ok, on confirme. Ok, donc il reste dans l'historique des achats, sauf qu'il est marqué remboursé le 24 du 4 2018. Ouais, donc c'est aujourd'hui. Je me le suis fait rembourser aujourd'hui. Donc voilà, il y a la date. Et voilà, donc il me reste 2 remboursements restants à faire. Je sais pas si tous les mois on aura 3 nouveaux remboursements. Mais en tous les cas, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, essayez de vous faire rembourser seulement les choses essentielles. Donc, ne vous faites pas rembourser 200 V-Bucks parce que 200 V-Bucks, c'est rien du tout, c'est 2 euros. Donc, essayez de vous faire rembourser 12 euros ou 20 euros. Ça vaut peut-être la peine. Peut-être 8 euros, ça vaut la peine. Et tant qu'on ne sait pas si on peut se faire rembourser tous les mois de 3 remboursements. Mais il faut savoir aussi que c'est cheaté parce que si c'est tous les mois qu'on peut rembourser 3 fois, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des nouveaux skins tout simplement pendant un mois et puis après se demander un remboursement parce que c'est le remboursement complet. Vous savez que c'est le seul jeu qui autorise ce système de remboursement. J'ai jamais vu aucun jeu le faire. Franchement, c'est des tueurs. Fortnite, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment géré leur jeu et ils nous envoient du lourd chaque semaine et chaque mois. Et à chaque fois, ils nous sortent une putain de nouveauté que justement, on espère et puis bam, ça arrive sur le jeu, c'est vraiment extraordinaire. Par contre, pour leur portefeuille, ça va être un peu moins parce que si moi, je peux m'en faire rembourser 3 fois par mois, je vais justement m'en servir. Donc, je vais acheter des skins pour justement me les faire rembourser et profiter du nouveau skin et puis me les faire rembourser quand j'y joue plus, quoi. Donc, c'est une perte pour eux et un gain pour nous, quoi. C'est vraiment extraordinaire qu'ils le fassent. C'est même pas un remboursement à moitié prix, c'est un remboursement à 100%. C'est vraiment ouf. C'est vraiment, je sais même pas quoi dire, c'est vraiment ouf de leur part, franchement, et ils sont vraiment au top. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour que tout le monde sache qu'on puisse se faire rembourser maintenant sur Fortnite. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.